Hey, 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 kéké mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooks The Big Heist. Où est-ce qu'on en était? On en était qu'on avait cambriolé le troisième baraquement sur quatre. On avait visité celui-ci. Et... ah, on était presque tous là. Et elle était là. Ah oui, c'est ça, d'accord. D'accord, et on avait brillamment réussi tout ça, et maintenant on devait s'attaquer à celui-là, qui allait être largement plus complexe. Mais il y a toujours un moyen de moyenner. C'est ici. Ouais. Ça, c'est un terminal de caméra, et ça... ça, c'est là, d'accord. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir s'introduire ici, mais j'ai qu'un garde qui ne bouge pas. Et j'ai un pouet-pouette. Deux pouet-pouettes! Bon, bah, je suis sauvée, en fait. Je vais pouvoir le faire bouger. Pour aller et venir. Parce que sinon, c'est un peu complexe. Parce que là, je veux pas... ouais, garde d'élite, et lui, c'est quoi, déjà? Garde en armure lent mais robuste. Ah, mais celui-là, je peux le taper. Alors, si je peux le taper... D'accord. Et ça, oui, on a dit que c'était bien. Parce que je me serais été beaucoup plus rapide que j'aille comme ça. Mais là, il va falloir que je combine pour mettre mes bonhommes. Que je les fasse aller... Ouais. Ouais, ok, j'ai compris. J'ai comprendo. Je vais les faire se replier ici. Du coup. Toi là. Toi là. Oui. Et toi là, parce que vous êtes au même endroit. Et que ce serait mieux que vous vous foutez ici. Oh, qu'ils sont mignons quand ils submergent vite. Parce que lui, il va se réveiller. Et va pas falloir être dans le coin, quoi. J'ai envie de dire, même venez jusque là. Jusqu'au début. Voilà, c'est pas grave, on va perdre un peu de temps, je préfère faire la sécurité. Ouais, il se réveille, je sais pas où il va aller. Ouais, bon, sinon on aurait bien réussi, sans souci. Du coup, lui, il va falloir que j'attende qu'il revienne. Que tu reviennes. Que tu reviennes. Alors, on va les faire aller là. C'est quoi le topo? Parce qu'on avait laissé les portes ouvertes. Que ici, il les verra pas quand il reviendra. Et quand il partira dans l'autre sens, celui-ci, je pourrai les faire avancer. Je vais les mettre entre les camions. C'est déjà un avantage. Ouais. Oh, c'est tout juste un Auguste. C'est tout juste Auguste. Et ça, c'est quoi? Ah, c'était les portes? Ouais, non, mais on s'en fiche. Je peux le laisser... hop, ok. Vous pouvez venir là. Je crois me souvenir que je pouvais pas aller jusqu'au bout ici. Parce qu'il y a lui. Mais au moins, je les avance. Une bar mitzvah à organiser. Ouais. Je suis en train de me dire avec elle, avec Roquette, est-ce que je peux encore aller choper des trucs dans les baraquements qui pourraient être utiles. Mais pour l'instant, pas trop. Ah, j'aurais dû prendre celui-là. Et là, j'ai un pouet-pouet. Donc ça, il faut que j'aille prendre ce pouet-pouet-là avec elle. Et ouais, on va devoir s'organiser. Lobkowitz, il va défaire la caméra. En plus, là, ici, lui, il bouge pas, mais on voit qu'il ne voit pas. Donc en fait, il y a juste à gérer pour mettre par terre lui. Alors, soit ici. Est-ce qu'il va se voir? Non, je suis pas sûre qu'il le voit. Plutôt là, peut-être. On est plus à l'abri ici. Lui, il le voit pas. Le mec là, non, ouais. Je pense que ce serait plus ici le plus mieux. En attendant, on doit les faire avancer. J'espère que l'enregistrement sera nickel. Hein. Normalement, oui. Mon PC avait beaucoup de mal. Et je sais pas pourquoi, c'est ce qui lui est arrivé dans sa vie. Ok. Je pense qu'on est bien là. J'espère en tout cas. Parce que là, sinon.
Ils sont pas... Ouais. Ça se déroule comme dans des pâtes dans les dents du beurre. Oui, j'invente des nouvelles expressions. Ah, c'est tout juste Auguste là quand même. Hein. Technicos pare. Tu vas aller là, le Technicos pare. Je suis prêt. Tu vas aller là aussi. J'espère que vous ne ferez pas voir. Alors, C'est toi, du parti. coup. Bah ouais, lui, il est là pile quand il faut pas. Ok. Est-ce qu'il va les choper? Je pense pas. J'espère pas. Non. Non, c'est bon. Ça veut dire que Lobkowitz, tu vas pouvoir y aller tout de suite faire la défaire la caméra. Peut-être te planquer là. Ça, c'est quoi ça? Ah! Mais attendez. Pour aller... Ah oui, non, ça marche là-bas. J'ai encore des destructeurs, hein. Je peux casser, détruire ça et j'ai accès là. Tu vas le faire, hein, Coco? Tu vas le détruire et tu vas aller faire ça au calme. Parce qu'après, de toute façon, le gars, il te verra, lui, il te verra pas. Lui, il est parti. Et du coup, je vais peut-être faire venir lui en plus pour l'assommer. Il faut que je réfléchisse aussi qu'il se fasse pas voir. Il y a lui qui arrive. Ça devrait être tout juste, hein. Voilà, ça passe. Oh là là, mais que du bon taf! Lui qui arrive! Ouais, il les voit pas, nickel. Du coup, toi, tu vas peut-être te mettre là. Tu seras moins visible. Parce que quand il va revenir, il va devoir arriver de loin, sinon. Peut-être comme ça. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Hein. Oh, il arrive! Il arrive, il arrive, il arrive. Bien reçu. Voilà. Du coup, on a tout accès ici et ici. Et ça, c'est bien. Sachant qu'en plus, il peut faire décrire la caméra là. D'accord. Bon, là, Et on maintenant? va tout jouer sur Rufus qui met à terre celui-là, mais est-ce qu'il va y arriver sans se faire voir? Voilà, qu'est-ce que je fabrique? Je suis en train de me stresser toute seule. Mais non, mais fais rien avec ça. Parce qu'en fait, j'arrive pas à cliquer et il croit que je veux cliquer sur le truc, mais non. En gros, je peux pas le faire bouger de là. Celui-là, il va se faire cramer quand même, hein. Faut pas être méchante, mais. Ouais. Allez, tu l'assommes tout de suite. Oh, il l'a pas vu! On s'est fait pas voir! Oh! Je suis arrivé. Et lui, il verra jamais rien. Oh putain. Pardon, excusez-moi, mais. Oh, ça, c'est cool. Ça, c'est méga cool. Alors. Prochaine étape, ce serait. Technicos. Est-ce que toi, tu peux venir jusque-là et défaire la caméra sans te faire voir? Ça devrait le faire, hein. Sans rentrer dans le champ de vision de l'autre. Oh, c'est juste. Par contre, ici... Je sais pas comment il peut faire. Ah, voilà. Là, on voit mieux ce que lui voit. Sauf que pour accéder à la porte, si je fais genre. Il va comme ça et il va là, il sera dans son champ de vision. Donc je suis vraiment. Attendez, là c'est un interrupteur lourd.
Attendez, il va falloir que je... Tu vas bien ? Je serai obligé d'envoyer Bishop. Parce que Bishop, c'est lui qui ouvrira tout. Ah, mais il y a ça aussi à défaire, attendez. Ah non, c'est là. Faudrait aller ici. Mais il y a les caméras. Il peut aller là. Ouais, mais pour aller là, il doit passer comment? Il va se faire voir. Bon, c'est tendu. Mais en gros, si je fais entrer que Bishop, Bishop, il aura besoin de vu que c'est un interrupteur lourd, il aura besoin de ça. Ah, oui, on pourrait le bloquer dans une... On pourrait le bloquer dans une... Dans une pièce. Ah, il y a des sous en plus, donc il faut... Imaginons, Bishop, il rentre, là, il met le poète-poète ici. Non, c'est trop près de la porte. Il faudrait limite qu'il le fasse ici, qu'il prenne les sous, il met un poète-poète là. Les trois, ils viennent là en cassant le machin et tout, et après, lui, il était planqué je sais pas où, hein. Là, peut-être. Ils viennent les bloquer. Ce serait bien comme plan, mais bon, je sais pas si c'est viable. Ok. Là, donc je suis sur mon souci de... Donc... C'est ça, la caméra. C'est quoi le topo ? Bishop, mon petit... Peux-tu venir ici ? Tu vas dropper le poète, parce que tu vas pas en avoir besoin. Attendez, non, oula, oula, oh, je fais n'importe quoi. C'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Toi, tu peux revenir là. Tu vas dropper ça. En avant. Toi aussi, tu vas venir là. Pendant que je pense les... Non, non, c'est bon. Ils seront pas voir. On a une réunion de famille ici. Ok. C'est parti. Toi, tu vas prendre ça. Oui. Toi, tu vas prendre ça. Ok, là, on est bien. Là, on est bien. Toi, tu vas venir chercher ça. Tu vas pas te faire gauler, donc normalement, c'est nickel. Et tu reviendras après, ici. Ça, on est bien. Ça, on a géré. On a le poète-poète pour faire rentrer et le poète-poète pour faire sortir. Ouais, oh, je me suis même pas encore intéressée à ce qui se passe ici. Il y a deux fourches Tesla. Est-ce qu'il y a besoin d'une fourche Tesla à l'intérieur? Non. Par contre, oui, les caméras, c'est là. Et ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est le... Donc, en gros, il faudrait que... Ça va être complexe, hein. Comment je le fais bouger de là? Malgré elle qui soit tarantule, elle pourrait rentrer là. Ce serait... Ah, imaginez. Je la fais rentrer. Là. Je fais un pouette-pouette. Ah putain, il y aurait que les deux gardes là. Non. Parce qu'en fait, limite, j'emmènerai lui, enfin, il est trois, et puis après, je m'en fous, je les bloque. Mais non. Je suis obligée de rentrer, en fait. Après, je peux venir là avec elle, mais elle se fera choper par la caméra avant et après. Donc, ça me ferait monter ma jauge. C'est chiant. Après, elle peut rentrer là, mais est-ce qu'elle peut en sortir facilement? Quand lui, il est sorti...
Pourquoi il n'y a pas une ventilation là, hein? Ça aurait été plus simple un peu. Que je mette le poêle-poêle ici. Non, mais c'est chiant. En gros, comment je peux faire ça? Faut que j'ai un poêle-poêle pour l'attirer. Le problème, c'est que le truc, il faut que je le pose vraiment pas loin du genre là. Il va bouger, mais après, moi, mon bonhomme, je le mets où? Parce que je pourrais pas le planquer indéfiniment là. En même temps, je peux pas l'amener ici. Je peux amener personne ici. Je suis dans la merde. J'ai combien de destructeurs encore? Deux. Et je peux en choper. Destructeur de capteur amélioré. Ouais, je peux en avoir 3. Je peux br... 1, 2 et 3. Ouais, non, et attendez. Je peux passer par l'arrière là. Je peux que... Ouais, attendez, je vais faire ça. Bien On va fait. faire ça. Ce sera pas du tout... Lui, il s'en va. Parce qu'il faut... Ouais, pas que je fasse des conneries. Tu vas te faire cette cam. Là, je peux avoir accès. En fait, je peux faire. Essayer de mettre un poêle-poêle assez de ce côté-là, en fait. Ça, lui, partirait comme ça. Et là, du coup, tu peux venir là, longer ici, là et là. Et ça, c'est trop cool. C'est toujours ça de fait, même si bon, voilà. Bon, je pourrais pas avoir accès ici pour l'instant. Il a pas un destructeur, mais je pourrais faire l'utiliser un des destructeurs quand même. Imaginons. Là, ils mettent. Ouais, mais je peux. J'atteins pas non plus le gars là-bas, quoi. Parce que même si je détruis ici, je peux pas. La caméra là. Ouais. Et oui, c'est complexe, hein. C'est complexe. Il faut réfléchir avec ce qu'on a, sachant que j'ai pas forcément tous les. Je sais pas, peut-être acheter les bons matériaux. Et je les ai pas sur la map non plus. Pour les prendre. Ou alors. Non, j'ai pas tout ça. Non, j'ai pas. Bon, et eh ben écoutez, hein. Je vais devoir improviser. Est-ce que c'est vraiment utile de venir casser le truc là? Tout va bien? Là, si je mets le poêle-poêle ici, je l'atteins même pas. Ma cible, c'est lui, hein. Si je mets le poêle-poêle genre là, il atteint pas, ça veut dire qu'il viendra pas comme ça. À la limite, s'il vient comme ça, je peux faire rentrer Bishop. Et puis l'autre, il part dans l'autre sens. Vous voyez, c'est comme ça que je voulais faire le truc, mais. Le poêle-poêle ne l'atteint même pas. Tu pourrais marcher, t'es sûr? Tu pourrais marcher alors t'as le truc là. Là, il serait bien. Y a de quoi réfléchir. Oui. Bishop, t'es où? Bah, écoutez, on va tenter le truc. Hein. Bah, le mec devrait arriver, mais il est trop en avance, donc ça devrait être fou. Ça va, ouais, et puis il est dans l'autre sens. Bishop, tu vas me casser ça. Ta-da-da-ta-da-da. Bishop? Ah non, il est en train de revenir le mec. Bishop, tu vas rester là pour l'instant. Ça me fait peur. Mais vas-y, le jeu.
J'attends que lui s'en aille. Ça va, on peut avancer déjà. T'as besoin de rien d'autre Non. Voilà. Ça, Bishop, il va attendre là. Et là, ça se repose entièrement sur Lobkowitz qui... Le jeu me dit qu'il peut aller en ligne droite malgré la borne. Hein. Vous voyez bien que... Il est censé passer nickel. Tu te colles plus là, s'il te plaît. Et là... Ok. Écoutez, moi j'attends juste que Bishop soit retourné en poste. Même, c'est quoi, le topo ? je peux grave l'avancer en fait. Parce que le temps qu'il entre et tout, et qu'il fasse tout ce qu'il faut. Ouais. En fait, il faut que je l'avance de ouf. Et bah, tu vas faire ça en attendant. Bon, on est dessus. Attention, moment de vérité. Est-ce que Lobkowitz... Et après, tu reviens là. Ce stress. J'y crois même pas. Hein. Ah ben si, il passe à travers là. Oh, j'ai un bol. Vous imaginez même pas. Ok, ça va devenir très intéressant et très intense. Dès qu'il part. Ah oh là 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 là. De toute façon, à partir du moment où il est rentré, il est tranquille, Bishop. Oui. Oh, 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 oh. Oh, merde. C'est une blague, il va pas faire le tour quand même. Mais non, mais là, c'est la... C'est parti. Là, c'est la merde noire, les gens, parce que moi, j'ai les mecs qui sont là, hein. Je veux. Tu vas venir là. Ouais, ouais. Punaise, tu vas venir là. Vache. Et tu viens là, parce que là, on est dans le caca... Là, faut que je les planque parce que sinon c'est mort. Non, mais quelle idée! Il fait le tour lui aussi! Tout va bien? Tout va bien, j'en sais rien en fait. J'ai l'impression que vous allez vous faire voir aussi, vous. Ça va barder. Excusez-moi, mais là. Je ne sais plus. Bon, lui, il se réveille juste avant que son pote vienne. Je suis aussi inquiète parce qu'il y a les faisceaux ici. Lui, il va regarder là et là. Normalement, on est bien. Et ici... Je vous jure. C'est pas fini encore, hein. Oh punaise, oui c'est bon. Ils sont pas vus. Lui il est retourné en poste. Bishop est là. Et là c'est un tableau de distribution. Putain, t'as une fourche. Alors soit je vais plus vite avec elle parce qu'elle est toujours du bon côté. Soit je vais revenir. Ouais, je vais économiser. Hein. Je vais économiser. Faut que je reprenne la patrouille. Voilà, c'est ça, va reprendre la patrouille mon gros. Et dès qu'il aura passé comme ça. Lui il est safe à l'intérieur. Mais. Je suis prêt. T'as pas activé ça mon gros? Ah, parce que j'ai pas fait ça. Oh.
Oh là, c'est bon, regardez, on pourra passer sur le côté. Ah, il y a juste encore ici, par contre. Et c'est... Ok, d'accord. Bon. Ok! Donc là, il est à l'intérieur et il est safe. Tu peux, du coup, en attendant, choper ça. En attendant qu'on essaie de régler ton souci là, parce que je vais envoyer Lobkowitz. Ouais. Mais il faut qu'il retourne. Il faut qu'il fasse le tour, quoi. Toi, tu vas pouvoir venir. Oh, attention. Attention où tu vas. Merde. Il va pas te voir, mais c'est bon. Tant que l'autre revient pas en même temps, on est bien. C'est good. Tu peux donc venir ici tranquillement. Ça se goupille, ça se goupille. Ça. C'est quoi le topo? Tu peux revenir là. Il t'attend. Bah, en fait, j'ai même pas besoin de leur faire venir le Covid. Vous savez pourquoi? Elle avait juste pas. Elle veut. Allez, tu vas appuyer sur le petit bouton. Et toi, on va devoir te faire ressortir. Mince. Mais non, cocotte. C'est moi qui fais le caca. Toi, il va falloir te faire ressortir de là. T'as rien d'autre à récup. Non, il y a trésor, mais. Voilà. Mais bon, il n'y avait pas besoin, elle était déjà là. Il y avait juste besoin de désactiver les caméras. Ok, ça c'est bon. Non, pas ça! Oh là là, j'ai du mal hein, aujourd'hui. Du coup, ça nous a ouvert cette porte. Je me souviens bien que c'était ça. Les quatre sont ouverts. Je vais sauver mes petits bonhommes. Du moins, je vais faire sortir Bishop. Du coup, toi, je vais avoir besoin de toi à la place. Il faut que tu viennes là. Ça va bien? Tout va bien? Ouais, tranquille. Lui, il est où le gars? Il est là-bas. Tu vas avoir le temps. Ouais, tu vas avoir le temps de revenir là. J'espère en tout cas. Ouais. Ok. Rejoins de là-bas. Sans être visible. Elle! Vu que c'est elle qui a le pouet, deuxième pouet-pouet. Oh, merde, le gars arrive! Voilà. On va attendre que lui soit venu. J'en ai deux sur quatre là-bas. Tu vas trop. Voilà, ici c'est bien. Attends. Et après, cocotte, ce sera marche arrière tout, hein. Sachant que lui, il lui reste 2 pas à faire, c'est bon, de toute façon, il sera déjà parti. Bon, on est prêt. Mais lui, il sera par là, ça devrait aller, on sera dans son dos. Bon, de toute façon, c'est maintenant. Ouh, jamais! J'aurais peut-être dû réassommer l'autre, mais bon.
Elle est là? Oui. Pendant que fille. Tu peux venir là? Au travail. Salut. Salut. Comment ça va, biche? Là, il va aller là, et peut-être qu'il fera pas le tour, hein, mais bon. Je préfère m'assurer. Voilà, ils se font des bisous parce qu'ils se retrouvent. RAS, repli. Ok. Technicos, pareil. Non, pas toi. Je suis prêt. Lui. J'ai réussi quoi les gars. Lui il retourne à son poste. Il a pas fait tout le tour. Et j'ai mes 4 petits loupiots qui sont là. Ah, j'avais pas eu de fail dans cet épisode, c'est magnifique. Bon, je pense qu'on est très très bien. J'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Prochaine fois, faudra qu'on s'attaque du coup à ce truc là qui est donc vu que la porte est ouverte, on va pouvoir s'infiltrer ici. Et voir, je sais pas, on étudiera ça la semaine prochaine. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit com, à montrer que vous regardez Croux, que ça vous plaît peut-être, à regarder des petites pubs sur la page YouTube et à vous abonner à ma chaîne et puis aussi à mes réseaux sociaux. Des gros bisous, à très bientôt, salut.